Moi, je suis attaché à cette circonscription parce qu'elle est représentative de la diversité française. Il y a à la fois un milieu très urbain, la riche, jouée avec un tissu associatif dense, des gens qui se battent pour faire vivre des solidarités. Il y a un monde très rural avec des paysages naturels magnifiques autour des vignes, des cours d'eau, un patrimoine bâti formidable aussi, les maisons de Dufaux, des beaux villages. Et puis, il y a tout ce monde périurbain qu'on est en train de traverser d'ailleurs ici, Ballon-Mireille, qui essaye d'inventer un équilibre entre la ville et la campagne. Et puis, je suis attaché aussi à cette circonscription parce que pour toute la partie rurale, il y a cette tradition rablaisienne, cette espèce de douceur de vivre qui finalement fait qu'on se rend compte ici qu'il n'y a pas simplement un malheur français, il y a aussi une sorte de bonheur français. Voter Laurent Baumel, c'est choisir un véritable député de terrain. Être un député de terrain, c'est d'abord prendre le pouls de la vie quotidienne. C'est déceler les difficultés qui, chaque jour, contrarient les communes, éreintées par les baisses de dotation et par l'accumulation des normes. Mais c'est aussi être connecté à la situation réelle des Français, la comprendre pour mieux les accompagner. C'est pourquoi Laurent Baumel a visité de nombreuses entreprises et associations durant son mandat. Laurent Baumel a également tenu de nombreuses permanences aux quatre coins de la circonscription. Une démarche qui lui a permis de maintenir un lien fort avec ses administrés. Les permanences, c'est intéressant parce qu'on voit à la fois des gens qui viennent nous demander de mieux prendre en compte des problèmes à travers la législation. Et puis on voit des gens qui sont au contraire perdus parce qu'il y a trop de normes à appliquer pour, par exemple, accéder à leurs droits. Et donc nous, ça nous invite en tant que législateurs à trouver finalement le bon dosage entre le fait de renforcer les lois et parfois le fait de savoir ne pas légiférer pour pas trop compliquer la vie des administrés. Le terrain, ce sont aussi des initiatives et des rendez-vous qui rassemblent. En 5 ans, Laurent Baumel a participé à plusieurs centaines d'événements. Son choix d'être en circonscription du jeudi au dimanche lui a permis de poursuivre ses échanges avec les habitants et de mesurer leurs attentes, leurs difficultés et leurs aspirations. D'autant que l'art de vivre ligérien valorise plus que tout le rassemblement et les liens humains. La circonscription le doit à l'engagement de ses habitants et de ses élus. Ils ont su maintenir une vie associative forte qu'un député se doit d'honorer. La présence dans les événements de type inauguration, assemblée générale d'association, elle a aussi un autre sens pour un député. Finalement, un député, il a une fonction symbolique. Et par sa présence, il apporte la reconnaissance de la nation à l'égard de tous ces bénévoles, de tous ces élus qui prennent du temps pour organiser des choses, pour faire vivre finalement le lien social sur le territoire, pour organiser de la solidarité, pour donner à nos compatriotes des possibilités d'épanouissement. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner et c'est de valoriser ce travail. Au cours de son mandat, Laurent Baumel a toujours soutenu ses initiatives, cela en répartissant équitablement sa réserve parlementaire, de sorte à aider le plus d'acteurs de la vie locale. Moi, les 130 000 euros que j'avais le droit de distribuer par an, comme tout député, je les ai utilisés d'abord pour aider toutes les communes, au moins une fois, toutes les communes de ma circonscription qui m'en ont fait la demande, par exemple pour des projets de réhabilitation des centres-bourgs, ou pour des projets permettant l'accessibilité aux bâtiments des personnes handicapées. Et puis, j'ai essayé d'aider un grand nombre d'associations, avec notamment au cours des deux dernières années, la volonté d'aider peut-être un peu plus fortement des projets emblématiques. Je pense par exemple cette année au musée, à la Maison de la Poire Tapée, à Rivarennes, que j'ai contribué à financer, qui est un projet important pour ce village, ou à une maison de producteurs dans le Richelais, qui permet de mettre en valeur les produits du terroir local. Mais être un député de terrain, c'est aussi impliquer les acteurs du territoire dans la vie politique nationale. Les projets de loi doivent être connectés aux réalités locales. Pour cela, Laurent Baumel a multiplié les initiatives sur le terrain. En organisant par exemple de nombreuses réunions publiques, mais aussi en multipliant les consultations d'acteurs concernés par des projets de loi. Comme lors du débat sur la fin de vie ou lors de la réforme du collège pour laquelle les enseignants de la circonscription ont été consultés. Laurent Baumel a également mis en place les cafés politiques, des rendez-vous inédits d'échanges entre citoyens, organisés régulièrement de jouer les tours à la riche en passant par Chinon, le Richelais
ou le riz des lois. Fin 2014, j'avais fait une série de réunions publiques classiques, on va dire, dans les mairies, et je m'étais rendu compte finalement que ne venaient à ces réunions que des militants ou des sympathisants très aguerris ou très habitués aux réunions publiques et à la prise de parole dans les réunions publiques. Et je me suis dit, il faut, puisque tout le monde cherche à réinventer un peu les formes démocratiques, il faut aller plus près des gens, plus près des citoyens. Et donc j'ai eu cette idée d'avoir des échanges de proximité en commençant par aller dans les cafés des villages, comme ici par exemple, où nous sommes à Brémont, sur cette terrasse. J'ai fait en 2015 un bel échange où il y avait une vingtaine ou une trentaine de personnes. Voilà, et on a pu évoquer tous les sujets qui intéressent les citoyens. Grâce à ces cafés politiques, Laurent Baumel a pu cerner les préoccupations des Français. Ce type d'échange, café politique ou apéro chez les gens, permet de rencontrer des gens de toute profession, de toute génération aussi, et dans le fond de bien voir ce que finalement les Français ont en tête, ce qui les intéresse, ce qui les préoccupe. Par exemple, qui gouverne la France ? Le rôle des lobbies, le rôle des milieux d'affaires, le rôle des cabinets ministériels est une question qui est très présente dans les questions que se posent les gens. Et ça, pour un élu de la nation, c'est extrêmement intéressant d'avoir ce type d'échange. Enfin, être un député de terrain, c'est affronter les problèmes concrets. Que ce soit celui des zones blanches qui privent les habitants d'accès au réseau de téléphonie mobile, ou qu'il s'agisse des problèmes rencontrés par les viticulteurs qui doivent en permanence contrer les aléas naturels. Laurent Baumel s'est mobilisé sur de nombreux dossiers pour obtenir des avancées utiles. La viticulture, c'est une composante essentielle de l'économie et de l'identité du pays du Chinonais. Et les viticulteurs sont des gens qui travaillent beaucoup et qui méritent d'être aidés. Donc moi, en tant que député de cette circonscription, par exemple au Parlement, avec d'autres députés, j'ai veillé à ce que les lois que nous prenons soient équilibrées et ne nuisent pas aux intérêts de la viticulture française. Et puis ici sur le terrain, j'ai fait venir par exemple dans les vignes la mission parlementaire qui étudiait les réponses à apporter aux maladies du bois de la vigne. Voter Laurent Baumel, c'est aussi choisir un social-démocrate réaliste. Être un député réaliste, c'est refuser le dogmatisme, qu'il s'agisse des postures d'opposition systématique ou de soutien inconditionnel. Un vrai député soutient donc les solutions concrètes qui améliorent efficacement la situation des Français. C'est donc reconnaître que les entreprises françaises ont besoin d'être soutenues. C'est précisément au nom de ce réalisme que Laurent Baumel s'est opposé au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et au pacte de responsabilité tels qu'ils étaient conçus par le gouvernement. Cela de sorte à ce qu'ils aident vraiment les entreprises dans le besoin. Alors moi je suis d'accord avec l'idée qu'on puisse aider les entreprises, notamment les petites entreprises qui investissent et qui créent des emplois sur nos territoires. Mais je n'étais pas d'accord en effet pour qu'on fasse une politique massive de baisse de charges et d'impôts sur toutes les entreprises, et notamment les grandes entreprises du CAC 40, qui très souvent utilisent ces aides publiques pour augmenter la rémunération de leurs actionnaires. Prenez l'exemple de Michelin dans son territoire. Michelin a supprimé des emplois, a supprimé une usine. Est-ce que c'était nécessaire que Michelin touche le CICE ? Honnêtement, je ne suis pas convaincu. Être réaliste, c'est également avoir conscience du contexte d'insécurité dans lequel les Français se trouvent. C'est pourquoi Laurent Baumel a soutenu l'état d'urgence. La recherche de l'efficacité, me semble-t-il, doit être ce que nous devons aux victimes et aux Français que nous voulons tous protéger. Moi, je suis un social-démocrate sur les questions de société comme sur les questions d'économie. C'est-à-dire que je crois à la liberté comme valeur, surtout la liberté qui ne nuit pas à autrui. Donc je suis favorable à ce qu'on octroie des nouveaux droits. Je pense par exemple dans le quinquennat qui s'achève au mariage pour tous que j'ai voté. Mais je suis aussi pour que la liberté soit encadrée, régulée lorsqu'elle peut causer tort ou préjudice aux autres. Et donc typiquement, je n'ai aucun état d'âme vis-à-vis de la question de la sécurité. Je suis pour qu'on assure la sécurité des Français. Et face au terrorisme, j'ai aussi accepté de voter des lois qui restreignaient un peu les libertés parce que c'était la condition d'une lutte efficace contre des gens qui portent atteinte à l'intégrité physique des autres, à la sécurité des autres, en l'occurrence des terroristes. Mais être un député social-démocrate, c'est aussi et avant tout avoir un socle solide de valeurs. Être fidèle à ses valeurs, c'est agir, toujours par leur prisme et ne jamais céder lorsqu'elles sont menacées.
Durant son mandat, Laurent Baumel a soutenu de nombreux projets progressistes du gouvernement. Qu'il s'agisse d'accompagner les Français dans le vieillissement ou de créer un compte personnel de formation pour chaque salarié. Laurent Baumel a par ailleurs lutté pour que les Français soient égaux en droit, notamment en soutenant les grands projets d'extension des droits, comme le mariage pour tous et la fin de vie. Moi, je considère que je fais partie de ce qu'on appelle traditionnellement la gauche réformiste. C'est-à-dire, je fais partie d'une gauche qui accepte d'aller au pouvoir, qui accepte finalement globalement le fait que nous soyons dans une économie de marché et qui définit son rôle comme consistant à encadrer cette économie de marché, à la réguler, comme on dit aujourd'hui, pour éviter qu'elle produise des inégalités, des injustices ou des dégâts écologiques, pour la rendre aussi plus efficace d'un point de vue économique. Mais durant son mandat, Laurent Baumel a aussi lutté pour que les salariés soient réellement défendus. C'est pourquoi il s'est opposé à la loi dite El Khomri, un projet de loi liquidant le droit du travail et mettant les salariés en concurrence, les uns avec les autres. Moi, si je suis opposé à cette inversion de la hiérarchie des normes, c'est parce que je considère qu'en renvoyant la fabrique même du droit du travail au tête-à-tête entre les employés et leurs employeurs directs, nous prenons à rebours toute l'histoire de la construction du droit du travail qui a été basée sur l'idée qu'il fallait une intervention extérieure au rapport entre l'employeur et l'employé pour pouvoir réguler les caractéristiques négatives ou les risques que comportait ce rapport. Laurent Baumel a par ailleurs placé au cœur de ses combats la lutte contre les discriminations et pour l'égalité hommes-femmes. C'est pour cela qu'il a défendu la loi égalité et citoyenneté, mais c'est aussi pourquoi il s'est opposé à la déchéance de nationalité. Être un député réaliste mais fidèle à ses valeurs, croire à la centralité du territoire, ses ambitions ne peuvent aboutir sans une qualité primordiale, la liberté. Car sans elle, un député cède aux pressions politiques et il ne vote pas. De fait, pour des projets auxquels il croit, il vote parce qu'on le lui impose. C'est pour cela que Laurent Baumel s'est appliqué tout au long de son mandat à voter selon l'intérêt des Français. Quitte à ne pas soutenir certains projets de son propre gouvernement, tels que le pacte de responsabilité ou la loi travail. Pour moi, la question importante n'est pas tant la question de la liberté que la question de la fidélité. À quoi finalement est-on fidèle lorsque notamment on rencontre des problèmes nouveaux qu'on n'avait pas prévus avant l'élection? Moi, ma réponse, c'est la fidélité à des électeurs et à des convictions plutôt qu'à des chefs. C'est-à-dire que lorsque j'ai eu le sentiment dans ce quinquennat que les dirigeants que je soutenais prenaient des directions qui n'étaient pas les bonnes, qui menaient une politique qui n'était pas efficace ou qui n'était pas juste, eh bien j'ai fait usage de ma liberté de parlementaire pour être fidèle à des convictions, à ce que je croyais juste et efficace. Mais être un député libre, c'est aussi se donner les moyens pour qu'aboutissent les combats. C'est chercher toujours à convaincre, à négocier pour que progressent les projets. C'est pourquoi Laurent Baumel a tout mis en œuvre pour réorienter la loi dite Macron. Mais je vous invite en tout état de cause à prendre au sérieux notre sincérité. Quelle est notre sincérité ? C'est la sincérité d'hommes et de femmes qui sont réellement inquiets devant les conséquences qu'ont déjà et que vont avoir pour la démocratie française le brouillage idéologique des repères à laquelle ce type de loi contribue. Un député libre et fidèle à ses convictions telles que j'ai essayé de l'être et telles que j'essaierai encore de l'être, c'est quelqu'un qui n'est ni dans une opposition systématique qui refuse en bloc, ni quelqu'un qui est dans un soutien aveugle et qui vote par principe. C'est quelqu'un qui cherche à négocier pour améliorer un texte. Par exemple, lorsque nous avons discuté la loi Macron, je me souviens dans l'hémicycle avoir proposé à l'époque à Emmanuel Macron un compromis et lui avoir dit que je pouvais réviser ma position si par exemple il avait accepté d'intégrer dans la loi le principe du doublement du salaire pour les gens qui seraient obligés de travailler le dimanche. C'était une tentative de compromis. Voter Laurent Baumel, c'est donc choisir un véritable député. Un député profondément ancré dans la Touraine. Un député conscient de la situation de la France et vigilant. Un député libre qui mettra tout en œuvre pour défendre les valeurs auxquelles les Français sont attachés.